tout le monde, aujourd'hui je fais cette petite vidéo en français, pas en anglais, parce que je suis plus à l'aise en français tout simplement. Parce qu'en fait j'ai aussi un petit hobby d'un correspondant. En fait j'ai des correspondants japonais, j'en ai deux, une fille et un garçon. Et il y a un garçon qui est donc mon ami qui s'appelle Yuki m'a envoyé des... comment dire, ouais, on peut dire des friandises en fait japonaises en fait qu'on ne trouve pas en France. Donc en fait je l'ai pas encore ouvert, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Et en fait là il y a écrit ce qu'il y a écrit, il y a écrit ce qu'il y a dedans, il y a des pokis, après il y a écrit sweet et tea, ça doit être des sachets de thé. Les pokis, je vois ce que c'est, les pokis c'est comme des mikado en fait. Après ça dépend si en fait, ça existe par exemple la fraise et tout au Japon, enfin, ouais. Après là je sais pas c'est quel goût. Et il y a 16 pokis, 16 paquets de... En fait, il m'a pris 2 paquets et dans chaque paquet il y en a 16. Il m'a pris, il y a écrit sweet, je sais pas ce que c'est. Et il y en a 26 dedans, je crois. Et il m'a pris 2 paquets de thé aussi, je crois. Et il y en a 26 aussi dedans. Donc voilà. Là il a écrit mon adresse et tout, enfin c'est pas ça, mon nom, et il a écrit la date de quand il m'a envoyé, et en fait il m'a envoyé le 3 septembre, et aujourd'hui on est le 9, donc ça a mis 6 jours, c'est hyper rapide, franchement je m'attendais pas à le recevoir aussi vite en fait, et franchement voilà, après il y a des petites étiquettes, enfin... Il y a des informations et tout sur le colis, ce qu'il y a dedans et tout. Donc je vais l'ouvrir parce que j'attends que ça en fait. Oh, je suis trop contente, c'est bizarre. Je vais massacrer le colis par contre. Je crois. Alors, oh, mais il a bien emballé tout. Oh, c'est trop chaud. Ah, mais c'est trop chaud. Il m'a pris. Et bon, en fait, c'est des mikado. Ouais. Il m'a pris au chocolat. Bon, en fait, c'est des mikado, sauf que c'est une marque japonaise et c'est des pokis. Comme ça. Et je suis trop contente. Ah, en fait, il y a 2 paquets en fait à l'intérieur. En fait. Bon, en tout, j'ai 4 paquets en fait. En tout. Et là c'est des Snoopy dessus. Ah. Il y a Snoopy derrière. C'est trop mignon. Putain. Attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Voilà. Et il m'a pris un. Il m'a envoyé des Kit Kat. En fait c'est dans un petit. Il a mis ça dans un petit sachet comme ça. Et là il y a des Kit Kat. Et après, je crois que c'est des sachets petits, ouais. Parce qu'en fait, dedans, il n'y a plus rien maintenant. Et ouais, je sais. Ah non, mais en fait, non. Ah non, c'est le prix, en fait. C'est pas le nombre. Non, en fait, c'est le prix. En fait, il me dit, mais merde, c'est un problème, en fait. Mais en fait, c'est... En fait, il y a bien 2 paquets de poké, en fait. Mais en fait... Sweet été en fait, c'est pas, il n'y a pas 26 en fait. C'est le prix en fait, c'est 26 N en fait. Je me suis trompée. Et donc là. Donc, je disais. En fait là, c'est des Kit Kat. Bah, vous savez quoi, je vais sortir. En fait, là, c'est des Kit Kat. Et là, en fait, je crois que c'est des sachets de thé. En fait, parce qu'il m'a mis, ouais, il m'a mis un Kit Kat et 2 sachets de thé. Bon, en fait je vais les ouvrir, je vais sortir du... Il a mis ça dans un petit truc comme ça, c'est trop mignon je trouve. C'est trop chou. Attendez, je vais l'ouvrir. En fait je savais qu'il allait mettre des pokis, mais je savais pas qu'il allait mettre ça en plus en fait. Moi à la base je voulais surtout les pokis en fait. Et voilà, donc j'en ai, là c'est un esprit. Oh, mais ça a l'air trop beau. Je sais pas ce que c'est. En fait, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus.
Mais franchement, ça a l'air pas mal. Donc c'est de la marque Nestlé, hein. C'est des sachets de thé, c'est en poudre dedans en fait. Et bah ça se présente comme ça. Ça s'ouvre ici, là, il y a écrit open. Et c'est pareil pour l'autre. Sauf que l'autre, je pense que c'est un goût différent. Ouais, c'est un goût différent. J'ai trop hâte d'essayer. Voilà, bah ça se présente de la même façon, de la même manière. Après, il y a des inscriptions. J'arrive pas à tout déchiffrer parce qu'il y a des candies et tout, donc c'est compliqué. Et deux petits Kit Kat, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est au thé vert, un truc comme ça. Je crois que je raconte que de la. Bah n'importe quoi. Bref, c'est comme ça. C'est vraiment tout petit, petit. C'est vraiment tout petit, hein, franchement. Bah, Nestlé, Kit Kat, quoi. Là, il y a écrit. Je sais pas, j'arrive pas trop à lire en fait. Je connais mes irréganes et tout, en vrai. Voilà, bah. Pff, un petit peu du Kit Kat. Je vais vous montrer les Pokis de plus près quand même. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des petites boîtes comme ça. Enfin, c'est comme des Mikado, quoi. Sauf que c'est de la marque Poki. Enfin, après, il y a des inscriptions en japonais et tout. Et là, il y a des. Dessin de Snoopy, c'est trop mignon. J'ai reçu un message sur Line. Bref, on s'en fout. Quoi. Et l'autre, il n'y a pas de dessin par contre. C'est simple. Avec la marque Poki ici. Enfin, voilà. Share Happiness. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, moi, ça m'a trop plu. Enfin, je suis trop contente d'ailleurs, je remercie mon ami Yuki d'ailleurs pour m'avoir acheté ça, qui vit sa même Japon, donc je suis trop contente. Et aussi je vais mettre une petite vidéo à propos du club dont je suis partie, parce qu'en fait on a besoin de danseuses, enfin bref, je vais faire une vidéo dessus et avec tout le détail et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Bah je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye bye.